sera tous les samedis soirs notre rendez-vous. Devant l'église de Mont-Saint-Hilaire, la rencontre avec l'invraisemblable. Profitons bien de ce Noël 2021. Nous sommes au Vidéorandia numéro 51. Et ne manquez pas d'aller regarder et lire le complément surprenant de Gilles Surprenant dans le Forum Orandia, dont le lien est le premier commentaire épinglé en haut de tous les commentaires. À la régie Spirale. Et notre invité, pour répondre aux questions, aux commentaires de notre public sur le clavardage, M. Jimmy. Oui, vous reconnaissez le parvis de cette église avec l'image de l'émission de cette semaine. Oui, c'est assez terrible de croire qu'on est limité dans nos actions, surtout pour des raisons d'ordre spirituel et religieux, de croyance, mais aussi de plan de vie. Alors, on a une émission vraiment particulière, inspirée par le fameux premier film de George Lucas, THX 1138. Mais là, on n'est pas rendu là. On n'est pas prisonnier encore. Nous aurons l'occasion d'entrer dans cette église pour retrouver cette énergie d'antan, de paix et de sérénité. C'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Bonne émission. Bienvenue tout le monde, directement au studio, comme on fait depuis le début du mois de décembre, c'est la ligne ouverte, plutôt le clavardage ouvert, parce que la ligne de téléphone ne fonctionne pas vraiment bien. Puis en plus, avec Jimmy, qui est à Québec, on prend vos commentaires, vos questions, et ça nous permet d'avoir un échange direct, réel. Alors, bonsoir Jimmy, tu es en forme? Bonsoir Richard, bonsoir tout le monde. Oui, alors justement, je vais faire comme la dernière fois, je vais être un petit peu l'interface pour les questions. Ceux qui ont des questions au clavardage, veuillez mettre 3 points d'interrogation au début de votre phrase, comme ça, ça va être très clair que ça va être une question. Ensuite, on pourra poser les questions, tenter d'y répondre. Merci. Alors, écoute, je vais ajuster l'écran pour que tout soit pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et il y a déjà des commentaires, je pense, parce que les gens ça, se branchent très rapidement. Oui, on a déjà des gens du Québec, de la France et de la Suisse qui nous écoutent. Bon. Voilà. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? On a déjà une question. Est-ce que c'est notre dernier Noël? Oui, alors la question c'est, est-ce que c'est notre dernier Noël? Quelqu'un demande aussi, peut-on avoir des solutions pour les années à venir? Que doit-on se faire pour se libérer? Bon, c'est des questions importantes. Et c'est des questions existentielles. Vous vous souvenez, Bernard de Montréal, il y a quand même pas tellement longtemps, il avait bien précisé, lors d'une émission que je faisais avec lui, justement, c'est Carréel, qu'on est dans un moment où c'est un affrontement, une guerre à finir. Alors, il y aura un gagnant, il y aura un perdant. Et on est à vivre des étapes, des unes derrière les autres.
un peu comme un château de cartes ou comme un jeu de dominos. À mesure les dominos tombent, et on se rend compte que on est de plus en plus perdant. On n'a pas à se cacher la tête dans le sable en faisant croire que les choses vont bien aller. C'est une phrase qu'on entend souvent dans le film THX 1138. C'était le premier film officiel fait par George Lucas lui-même, celui qui a créé la Bible des temps modernes pour la nouvelle génération. THX 1183, 1138, excusez, j'inverse. C'est le nom, le numéro, les lettres d'appel d'un personnage, le héros de ce film-là, qui travaille à la fabrication de robots androïdes, alors des parties biologiques puis des parties mécaniques, électriques et même atomiques. Et il travaille comme tous les autres, habillé en blanc, les têtes rasées, pour question d'enlever complètement la personnalité des intervenants. On est dans le futur. Pour George Lucas, THX 1138, c'était un film d'étudiant qu'il avait fait d'abord alors qu'il était à étudier le cinéma et comment faire du cinéma et tout ça. Et à un moment donné, c'était court, ça durait à peine 15-20 minutes. Et lorsqu'il est entré dans les ligues majeures, avec les frères, comment on les appelle, là, les producteurs, il y a MGM Studio, il y a, ah oui, les Warner Brothers. Warner, Geneviève précise, Warner Brothers, parce que warning, ça veut dire ceux qui faites attention, là, c'est... Comment tu traduirais ça, toi, Jimmy, qui est traducteur? Warning? Warning, c'est une mise en garde, c'est faire attention. OK, d'accord, merci. Alors, les Warner Brothers, qui avaient leur maison de production, oh, Warner Brothers, oui, je me trompe tout le temps. Ils ont joué dans le scénario de George Lucas, après lui avoir fourni quand même pas mal d'argent. Précisément 777 777 $. Et peut-être 77 sous, ajoutons. Pour faire son film, qui était un film amateur de son collège, puis après ça, il l'a fait pour les lignes majeures. Mais lorsqu'ils ont vu la manière dont il avait monté son histoire, ils n'ont pas aimé. Ils ont coupé des bouts. Et ils ne l'ont pas mis dans les cinémas au début. Ça a pris du temps. Ils ont mis un autre réalisateur qui a fini par faire quelque chose avec ce que les autres pensaient que ce serait un flop. Et ils l'ont mis dans quelques salles de cinéma aux États-Unis. Ce qui a complètement dégoûté George Lucas de faire du cinéma avec des majors, des ligues majeures. Il a créé sa propre entreprise, tout le monde le sait, hein, et il a fait La guerre des étoiles. Entre-temps, il a fait deux autres films, mais quand il est arrivé à La guerre des étoiles, il savait où il s'en allait. Et il a perdu confiance complètement à tous les intervenants dans le domaine du cinéma. Il a toujours voulu tout gérer. Et quand il était fatigué, ben, il se trouvait un autre réalisateur, mais il faisait confiance à quelqu'un qui était sous sa tutelle. Alors finalement, il devenait le directeur, comme lui a été soumis à des directeurs qui avaient leur vision, leur politique, leur façon de faire les choses. Mais pourquoi j'insiste beaucoup sur l'idée de THX 1138? Parce qu'on s'en va directement vers ça. Je ne sais pas, mais il faut être capable d'aller voir les coups de jeu d'échecs, pas pour 10 jours, pour 3 mois, pour se demander où est-ce qu'on va être au mois de mars ou qu'est-ce qu'on va faire au mois de juin. Il faut regarder qu'est-ce qu'on va faire en 2023. Puis après, qu'est-ce qu'on va faire en 2024, 25, 26, 27, 30, 33? Il y a des gens qui regardent beaucoup dans le passé. Puis ils se disent, le passé se tient garant de l'avenir. Autrement dit, la façon dont on a agi dans le passé, on va encore agir de la même façon dans le futur. C'est devenu un proverbe, c'est parce qu'il y a un fond de vérité derrière ça. En effet, très souvent, l'humanité vit des cycles à répétition parce que le passé se tient garant de l'avenir. Ah bon, ça va être comme c'était et ce sera. Et c'est présentement. Mais quand on commence à regarder les à côté qui font les différences, on a une technologie qu'on n'avait pas il y a 40 ans ou il y a 50 ans. Mais il y a toujours eu,
des sociétés, des groupements qui ont toujours voulu prendre le contrôle sur les humains qu'ils dominaient et qu'ils voulaient absolument mettre à leur service. Mais les moyens étaient limités comparés à ce qu'ils ont maintenant à leur disposition. Et quand je dis les moyens, ce n'est pas seulement les moyens physiques, matériels, mais les moyens psychologiques. La connaissance du langage non-verbal, la PNL, la programmation neuro-linguistique, l'hypnose collective et la manière de droguer de différentes façons par donnons-leur du pain et des jeux. Les Romains avaient découvert ça. Donnons-leur du pain et des jeux, on va avoir la paix, on va faire faire ce qu'on veut. On va leur donner des spectacles sanguinaires, les gladiateurs, les chrétiens mangés par les lions, puis il y a toujours du monde pour remplir les estrades, frapper des mains, applaudir, crier, tu sais, mettre le pouce en l'air ou mettre le pouce en bas, comme on a sur Facebook, sur YouTube. À la fin d'un combat ou d'une présentation, on décide, comme chez les Romains, pouce en l'air, c'est bon, pouce en bas, pourri. Et puis, ils ont enlevé le pouce en bas, semblerait-il. Il y a aussi des gens qui sont comme, j'allais presque dire, mandatés. Parce qu'il y a des têteux, hein, dans le monde. Il y a des têteux qui vont s'en aller toujours du côté du plus fort. Moi, j'ai été professeur dans le bas de la ville de Montréal et on le voyait très, très souvent. Des jeunes qui vont s'agglomérer à celui qui est le plus baveux, puis le plus. Puis après ça, tout le monde est autour, puis. Ah, oui. Mais quand, là, il arrive un revirement de situation, là, tout le monde se cache, tout le monde s'en va, tout le monde fait semblant qu'ils ne connaissent pas, puis tout ça, le temps que les choses se resituent. Les questions existentielles que tu m'as lues, là, que tu as rapportées du clavardage, d'entrée de jeu, là, on est lancé dans le forum, et puis on va avoir à faire face à des lions, à des dragons. Alors, vous savez, il y a quatre fêtes importantes dans l'année. Il y a la fête de Noël, qui est le retour de la lumière, qui est au solstice d'hiver. Les journées sont vraiment courtes maintenant. La lumière est beaucoup moins longtemps que les ténèbres en 24 heures. Ensuite arrive le 25 décembre, donc on est exactement à une semaine de Noël, là. On est le 18, rajouté 7 jours de la semaine, on arrive au 25 samedi prochain. Alors, ça va être une émission qui va porter vraiment sur le sens de Noël. Et puis, il y a des gens qui vont dire, hey, écoute, Glenn, là, c'est dépassé, là, le novlangue, la nouvelle langue. On n'est plus censé parler de fête de Noël et puis de l'Hanouka pour les Juifs, puis tout ça. Non, non, il faut juste dire. Le temps des fêtes, ou même pire, le temps des vacances. Maintenant, qui prend des vacances, on se fait dire, faire attention de ne pas aller prendre l'avion, même si vous avez un, deux, trois, peut-être quatre, peut-être cinq vaccins, ça a l'air que ça ne donne pas grand-chose dans le concret. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est la consigne. Et quand on dit la consigne, ça me fait penser au petit prince de Saint-Exupéry, vous vous souvenez? L'allumeur de réverbère. Hein, oui, c'est parce qu'il allumait le réverbère au soir et au matin, il se réveillait, il sortait et il allait éteindre les réverbères. C'était les lumières de rue. Mais autrefois, c'était à la main, une par une, on les allume. C'était souvent avec des tuyaux qui portaient du gaz sous les trottoirs, sous les rues. Puis en haut, dans la sortie, il ouvrait la flamme, le gaz sortait, il allumait. Puis le soir, le matin, il éteignait en fermant le gaz. Je pourrais profiter pour ouvrir lampion Ah oui, sacré t'aimerais bien, pendant hein? que tu parles Ben là, je de peux pas y aller, lumière. mon micro m'empêche d'aller bien loin, là. Ah. C'est Geneviève qui a fait tout le décor pour Oh, mais là, il manque. Faudrait que tu l'allumes. le sens de Noël, quand même, c'est beau. Elle a mis des lumières de Noël sur notre crèche ici en studio. J'aime beaucoup parce que, vous savez, quand on est heureux, on décore. Quand on est malheureux, on est dans notre bulle. On passe à côté
des choses peut-être qui donnent de la gaieté, qui donnent de la lumière. Et puis surtout, si vous avez des enfants, il faut maintenir leur optimisme, leur enthousiasme. Là, on est entre adultes, là, j'espère qu'on se comprend, qu'on est capable de se parler des vraies choses. Bon, alors, j'allais dire que la consigne de l'allumeur de réverbère, c'était t'allumes le soir, t'éteins le matin. Mais imaginez, son problème majeur, c'est bien triste, c'est que la planète sur laquelle il faisait ces choses-là, alors là, je laisse passer Geneviève à quatre pattes. Vous ne la voyez pas, c'est parce qu'elle veut absolument allumer nos lampions qui sont ici dans le studio, que vous verrez sans aucun doute tantôt. Mais la planète s'est mise à tourner plus vite. Alors, non seulement les nuits ne duraient pas 6 heures, 7 heures comme au début, mais la planète, en tournant un peu plus vite, puis un peu plus vite, elle vient d'accrocher le fil de la caméra. Ben oui. Ben oui, toi, ça va bien? Bon, elle est en train d'allumer la chambre. Le lampion. Ça, c'est Père Geneviève. Là, ça va bien aller. Pour Ben, vrai. ben oui, ça va bien aller pour nous ici en Non, non, je studio. dis pour vrai, pas comme ceux qui disent ça à télé. Ah ouais, ok. Oh, je suis pas sûre finalement. Bon, ça déboule. T'es mieux de ressortir directement, Geneviève. Oui, ok, ben, je touche plus à rien. Oh. Non, tu peux être debout, ça va être plus simple. Non, non, non. Non, tout le monde voit bien, là, j'ai tourné la caméra vers toi. Là. Sérieusement, là. Ben oui, j'ai tourné la caméra pour que le Pour voir monde remarque le les décor. Non, non, pour que le monde voit le beau décor que tu as fait lumières. Oui, avec c'est ça, voir la les lampions crèche. de rentrer à terre. Hein. Mais de toute façon, il faut brûler les Legos. Ben oui. Brûle un lampion puis de Legos en même temps. Alors oui, on va en entendre parler de l'église de Saint-Hilaire, mais plus la semaine prochaine que cette semaine. Cette semaine, on se réserve seulement à la toute fin de l'émission, vers le générique, pour se préparer à la messe de minuit de samedi soir prochain. Alors, la consigne fait qu'il y a des gens qui savent comme un robot, fonctionnent comme des robots. C'est la consigne. Des robots, ça s'appelle de la programmation, non pas neuro-linguistique, là, mais c'est des algorithmes. Un algorithme, ça marche tout par algorithme. Qu'est-ce que c'est un algorithme? Un algorithme, c'est comme une recette de cuisine. Tu prends ça, les ingrédients, tu dis, tu prends ça et tu mélanges ça avec ça, pendant tant de temps, tu brasses ça, tu mets ça à telle température, tu rajoutes un peu de liquide ici, puis ça. Après ça, tu mélanges les solides et les liquides ensemble, tu mélanges, tu brasses, puis tu mets ça au four à telle température, pendant tant de temps. C'est ça un algorithme, c'est des recettes. Et le robot qui, lui, se fait dire une chose, il ne réfléchit plus. Il n'a jamais à réfléchir. Il fait selon la consigne, comme c'est programmé par un algorithme de la recette. Alors, sans vous donner de nom précisément, très proche de moi, il y a des gens qui vivent des expériences qui tiennent pas debout. Ça n'a vraiment pas de bon sens, l'attitude des gens. On a failli se faire sortir d'une maison à coups de pied dans le derrière parce qu'on n'avait pas mis notre masque en rentrant dans une maison privée. Mais c'est correct, sauf qu'au lieu de recevoir un coup de pied dans le derrière, on aurait pu se faire avertir avant de rentrer. Portez votre masque, on s'était téléphoné, l'entente était prise, on se présente, bang! Quand je dis dans le texte qui présente le vidéo de cette semaine, dans un an, dans 2 ans, qui seront encore nos véritables amis? Parce que même dans la famille, même dans la parenté, même dans nos grands amis, il y a déjà des séparations, des divisions. Diviser pour mieux régner. Hein? Alors, on joue le jeu. Et malheureusement, on s'en rend pas compte parce que c'est fait tellement à petite dose, un petit peu, puis un petit peu, puis un petit peu. Mais quand on prend du recul, comme il y en a qui font, là, on regarde la partie de jeu d'échecs, là, comme les spécialistes qui regardent les joueurs, là, Spassky, puis les autres, quand ils jouaient aux échecs, il y avait toujours des gens qui faisaient l'analyse des coups qui venaient d'être faits. Ah oh, oui. Puis là, ils essaient de prévoir le coup qu'il va faire. Oui, mais ils vont regarder 3, 4 coups d'avance.
capable d'aller voir jusqu'à 10 coups d'avance, puis encore plus avec les ordinateurs. Tellement qu'avec des ordinateurs, il y a des moments où ils peuvent te dire, ben là, ça fait 8 coups que tu joues, tu es sûr de perdre. Comment ça? On vient de commencer la partie. C'est fini. L'ordinateur ne fera jamais d'erreur. Alors là, on voit bien à quel point ce qui nous arrive est sous contrôle d'une certaine façon. C'est des algorithmes qui proviennent, avez-vous une petite idée? Alors, je vous dirais que THX 1138, les gens qui sont le moindrement dissidents, réfractaires, sont envoyés dans un centre de rééducation, dans une prison, disons le terme, et c'est toujours à l'intérieur de la Terre. Des tubes très, très profonds, et il y a des étages, et puis il n'y a pas de fenêtres, il n'y a pas de barreaux. Ils ne peuvent pas s'enfuir, ils vont arriver dans la roche. C'est construit en profondeur, et ça descend très, 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 très bas. Alors, que se passe-t-il? Je ne sais pas si vous avez vu le film La Plateforme. C'est la façon de comprendre la psychologie humaine. Et c'est aussi le fait que des humains qui sont responsables des décisions pour l'ensemble des humains, qui sont dégoûtés de la nature humaine, qui manque d'intelligence, qui manque de volonté, puis qui manque d'amour. La VIA, là, V-I-A, volonté, I, intelligence, A, amour, la voix. Tu sais, le Christ était venu en disant « Je suis la voie, la vérité, la vie. » V, V, V. À ce niveau-là, je peux vous dire que de mon côté, j'ai sorti une expression, c'est le P, le B, B, B. Le beau, bon, bien. Qu'est-ce qui est contraire du beau? Le laid. Le bon, le méchant. Le bien, le mal. Alors, on se dirige dans un monde où on décide de ce qui va être beau, de ce qui va être bon, de ce qui va être bien. Sans nuance, par un algorithme social qui va faire qu'on aura l'impression qu'on fait mal parce que c'est pas ça que les autorités, le système et les algorithmes nous disent de faire. Tu n'as plus le droit de penser. Tu n'as pas le droit même de donner une opinion qui ne serait pas en conformité avec l'algorithme. Matrix 4, Geneviève a fait bien de le mettre. Hein? Tu savais ça, Jimmy? Hein? Matrix, la matrice 4, arrive très bientôt. Non, j'étais pas au courant. Oui, le 21 décembre. Alors, il va falloir que tu reviennes chez nous à Mont-Saint-Hilaire. On va aller voir ensemble comme on est allé voir Dune ensemble. Oui, c'est ça. Pour pouvoir émettre des commentaires là-dessus. Oui, c'est quelque chose. Tu as des commentaires à faire là-dessus? Non, j'ai dit, après avoir vu ce film-là, on pourra émettre des commentaires. Ben oui, j'ai très hâte. On a plusieurs questions aussi, Richard. Oui, alors vas-y. En fait, il y en a beaucoup, donc là, je ne sais pas si tu veux que je t'en lise plusieurs et tu pourras répondre retiens-les si tu veux. S'il y en a une qui m'interpelle instantanément, je vais répondre, mais je vais essayer d'être court vu qu'il y en a beaucoup. Oui, d'accord. Alors, tu viens de parler des robots. Justement, quelqu'un a demandé, est-ce que nous allons tous devenir des robots et les robots peuvent-ils aimer? Ensuite, attends un peu. Okay. Oui, d'accord. L'amour entre la tête, quand on dit on va être marqué dans la main et sur le front, OK? On le sait, le front, c'est, en voulant dire, ta pensée, hein, ce que tu penses, ce que tu réfléchis, ce que tu raisonnes. La main, c'est les actions. L'action, quand tu passes à l'action, les mains, c'est d'ailleurs une des caractéristiques de l'être humain. Hein? Un humain, c'est quand tu es main nue. Un humain. On a un outil formidable que les singes n'ont pas, que les primates n'ont pas, puis qu'il y a des animaux encore moins à sabots et tout ça. Là. Mais... entre le front, la pensée, et la main, le signal, il faut qu'il descende, hein, pour qu'il parte de la tête pour s'en aller vers les mains.
il y a la centrale qui est ici, le cœur. Et on l'associe, le cœur, à l'amour. En fait, on dit, tu as un côté physique qui est géré par en bas, les sensations. Les sentiments, c'est la partie d'en haut. Alors, les sentiments et au milieu, les émotions. L'amour est une forme d'émotion. Et émotion, ça dit emotion. Motion, ça veut dire, tu sais, la motion du lanceur au baseball. Oui, ben alors c'est ça. La motion, c'est un mouvement. C'est ce qui va entraîner l'action de la main et doit être pensé, réfléchi, mais filtré par le cœur. Et le robot n'a pas cet outil qui est un chakra. Tout fonctionne par paire. On a des chakras, on a sept. On dit qu'on en a sept. Bon. Alors, tu en as un au-dessus de la tête qui s'appelle le coronal, qui te branche sur les énergies cosmiques. En dessous, tu en as un qu'on appelle le sacré, le sacrum, qui est en bas. Ces deux-là sont reliés. Ils font un circuit. Mantakia, Jimmy, c'est toi qui m'as appris le grand circuit de Mantakia. Tu te souviens de Mantakia, Jimmy? Oui, bien sûr, Mantakiya, c'est bon, on dit que c'est un maître, en tout cas un enseignant en taoïsme ou en tao. Donc, Exactement, oui. il s'intéresse à tous les aspects du tao en relation à la santé, l'énergie, comment développer son énergie pour avoir la santé, etc. Alors, après les deux chakras des extrémités, on dirait le numéro 1 et le numéro 7 en bas, qui sont reliés. Après ça, tu as le numéro 2 qui est relié au numéro 6, qui est le ventre et qui est justement la raison, la pensée et tout ça. Ensuite, tu descends, tu arrives à la gorge et qui le verbe, la parole, très important. Les animaux, ils parlent, je pense qu'ils parlent plus télépathiquement qu'ils parlent avec le son. Nous, on est très primitifs. On a perdu la connexion psychique, télépathique. Ça fait pas de bruit. On l'a remplacé par le téléphone. On fait tout d'ailleurs. On invente des trucs toujours pour remplacer les éléments qu'on avait dans les plans spirituels, subtils. On descend ça dans la matière, puis on se pense encore avoir progressé. Oui, on progresse. On progresse, mais on n'évolue pas. L'évolution, ça se fait sur les plans subtils. Alors, on régresse sur les plans subtils pendant qu'on progresse sur les plans de la matière. On développe toujours les outils qui remplacent le côté psychique, spirituel. Et on pense qu'on est mieux qu'avant. On règle les problèmes d'une manière matérielle, matérialiste, tant et si bien que finalement, ceux qui ont l'argent pour acheter tous les développements matériels prennent le dessus sur les autres qui sont restés dans le plan spirituel. C'est de plus en plus évident. Et il y a beaucoup trop de monde sur Terre pour que tout le monde bénéficie de tous les éléments matériels de progrès. Tout le monde voudrait avoir un téléphone intelligent maintenant. On en a beaucoup dans les pays avancés. Mais attendez de voir quand on va être avec des vaisseaux ou des véhicules qui se déplacent dans l'air. Tout le monde va vouloir avoir son petit drone pour se déplacer au lieu d'avoir. Alors, on va être obligé de contrôler la société qui est très nombreuse, qui est très exigeante et qui est inconsciente. Tout ce qu'elle veut, c'est du pain et des jeux. Satisfaction des sensations. Et puis, les choses restent à un niveau très primaire. Quand on commence à le priver, quand on commence à l'avertir que les choses vont changer, dorénavant, là, tu n'es plus un enfant. On te pardonnait beaucoup de choses parce que tu étais inconscient. Si tu n'évolues pas, puis si tu ne prends pas conscience, tu vas être en pénitence très souvent, en retenue, en confinement. Puis la menace est claire. Tu sais, il y a beaucoup d'écureuils qui se font écraser par les automobiles parce qu'ils traversent la rue sans regarder à gauche puis à droite. Ben, il y aura beaucoup d'êtres humains qui vont être écrasés parce qu'ils ne regardent pas plus loin que le bout de leur nez. Et c'est triste à dire,
parce que comme dirait l'autre, il faut que la personne soit touchée personnellement pour réaliser. Personnellement, des fois, ça ne peut pas dire nécessairement toi-même, mais ça peut être un voisin, ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être quelqu'un au travail. T'apprends qu'il est mort. Dans ma parenté, on en a qui sont morts. Morts, là. Puis, en bas âge, pas en bas âge tant que ça, là, mais à 45 ans, là, c'est pas vieux, ça, là. Prendre l'avion pour aller à Cuba, meurt sur l'avion. Il est mort sur l'avion. Il n'est pas mort. Il a été obligé d'être vacciné une fois, deux fois, trois fois. Il prend l'avion, il monte en altitude, puis à un moment donné, fou, tof, crise cardiaque, on ne sait pas trop, il souffrait de rien, il était en santé, il n'était pas vieux. Bang! Là, toute la famille est sous le choc. Tout le monde se dit, hey, ça n'a pas de bon sens, là, il y a quelque chose. Il y a des choses qui se passent qu'on entend dire, d'autres choses qu'on n'entend pas dire, puis d'autres choses qu'on entend dire qui sont complètement inventées, puis qui dénaturent le reste. Alors, on n'a plus confiance en l'information qu'on reçoit parce qu'on a l'impression que d'un côté ou de l'autre, il y a des intérêts en jeu. Mais si on se met sur une roche au lieu d'être sur un petit nuage, là, on s'assoit les petites pattes croisées sur une roche. Puis on ne flottera pas, là. On va être les deux pieds sur terre. Qu'on soit d'un côté ou qu'on soit de l'autre côté, imaginez que vous ayez vraiment raison, ou imaginez que l'autre côté, là, c'est eux autres qui ont vraiment raison. On dit souvent qu'il faut donner du temps au temps pour se rendre compte. On va laisser passer le temps, on verra bien qu'est-ce qui va arriver. Il y a des choses qui peuvent être visibles au bout de 2 semaines, 3 semaines, 40 jours. Hein, dans le temps, disons, on va être en quarantaine. Aujourd'hui, on a réduit ça à 15 jours. Il y avait des vaccins qui devaient être donnés seulement 6 mois plus tard, puis on a réduit ça à 2 mois. C'est des choses qui sont étranges, mais quoi qu'il en soit, si ceux d'un côté ont raison, et que ce soit vraiment eux qui ont raison sur mais toute la ligne, ben à ce moment-là, regardez ce qui va arriver. Il va y avoir un paquet de monde qui vont être morts. Parce qu'ils ne seront pas vaccinés d'après les uns, parce qu'ils auront été vaccinés d'après les autres. Mais le paquet de monde qui vont disparaître, comment vous allez survivre dans la société qu'on avait et qu'on rêverait d'avoir? Il n'y aurait plus autant de monde pour être, pas seulement au dépanneur du coin pour te servir, mais pour fabriquer des choses, pour transporter des choses. Autrefois, on attendait le Père Noël. Aujourd'hui, on attend Amazon. Hey, quand ils viennent livrer, là, c'est le fun. On reçoit nos cadeaux par Amazon. Pas par le Père Noël, c'est fini, Père Noël. Le Père Noël, à moins qu'il soit assez intelligent pour avoir parti de son entreprise qu'on appelle Amazon, sans qu'on le sache, c'est lui qui est en arrière de ça. Jimmy, j'ai parlé longtemps pour répondre à la question. Vas-y. Oui, on a beaucoup de questions. Alors, je vais peut-être, ce que je vais faire, je pense, je vais essayer de suivre l'ordre d'arrivée des questions. Il y a une question sur deux de tes invités que tu as déjà accueillis à ton émission. Est-ce que vous avez des nouvelles de Stéphanie Athène? Quelqu'un d'autre demande, qu'arrive-t-il avec Jean Deflore? On ne le voit plus à ton émission. On le voit une fois par mois. Et puis moi, j'ai participé à une émission avec lui qui est devenue, pour le Club Créé, pour mes abonnés au Club Créé, qui, soit dit en passant, vont avoir une belle surprise dans le temps de Noël et entre Noël et le jour de l'an. Parce que, on peut maintenant refaire des copies, de nos archives. On est capable, après ça, de s'installer pour faire une mise à jour de tout ça. Et vous allez les voir arriver, là. Il en manque 2 dans le mois de novembre et il en manque 4 dans le mois de décembre, des vidéos d'1 heure au minimum, qui ne sont pas encore là, parce qu'on a eu des ajustements techniques à faire, des ajustements vraiment là, importants. Une nouvelle tour d'ordinateur. Et là, on pense avoir de nouveaux programmes. Donc, quand on change de programme, vous savez comme moi, ça peut prendre 2 semaines à apprendre à comment s'en servir pour pouvoir le gérer comme du monde. Mais ça va être fait. Soyez sans crainte. Et d'autant plus qu'avec les événements, le temps qui passe, ça nous permet d'ajuster toujours de manière plus fine la perception des choses qui pouvaient paraître floues il y a 3 mois, qui sont de moins en moins floues. Puis moi, je ne veux pas me lancer
dans une catégorie ou l'autre, je veux rester dans le milieu pour dire, ouvrez les lumières, regardez, vous avez deux yeux, une pour voir à droite, une pour voir à gauche. Hein? Puis quand vous regardez un peu ensemble, vous voyez les trois dimensions apparaître. Et là, vous servez les deux yeux pour voir en trois dimensions, en 3D. Et quand vous avez l'œil psychique, d'ailleurs, ça va être un des invités dans pour le club créé, c'est Louis Bélanger, qui est le professeur d'université et qui a enseigné la psychologie. Au lieu d'appeler ça la parapsychologie à côté de la psychologie, là, c'est pas la para, là, c'est la psychologie, le monde du psy, encore une lettre grecque. On en revient toujours à eux autres. Hein. Mais pour Stéphanie Athènes, je l'ai deux fois invitée. Elle ne me donne pas signe de vie. Elle est probablement très vivante. Si j'ai fait connaître Stéphanie Athènes dans mes émissions il y a deux étés de ça, j'avais des raisons précises, parce que c'est en rapport avec le phénomène extraterrestre et les contactés. Et j'ai bien vu qu'il y a des gens qui veulent parler de tout ça, puis il y a des gens qui ne veulent pas parler de ça. Alors moi, je respecte ça. Quand j'ai reçu Nassim Haramein, il y a plus de 5-6 ans maintenant, on s'est échangé télépathiquement plein d'informations. Là, ben, j'ai dit, écoute, OK, on s'assoit, on part le micro, on enregistre. Et M. Nassim Haramein est allé dévoiler des choses qu'il n'avait jamais, mais jamais dites. Alors, je lui ai dit, non, on ne diffusera pas ça pour le moment. Je vais attendre que vous en parliez de votre côté. Et si j'entends parler que vous êtes monté à bord d'une soucoupe volante, vous avez même piloté un ovni et que vous en parlez ailleurs, je vais diffuser de mon côté. Et c'est arrivé quand il a donné un entretien au Brésil, à une émission de télévision là-bas. Tout de suite, j'ai des gens un peu partout dans le monde qui me rapportent qu'est-ce qui se passe réellement. Tellement réellement que c'est ça qui est troublant, c'est qu'on n'entend pas les vraies affaires ou les mêmes affaires à la télévision conventionnelle ici. Puis pourtant, quand on fait affaire à des gens qui sont sur place, justement, on parlait là de Jean de Flore, il est en Floride, hein, il vit vraiment en Floride là, avec sa compagne. Bien, quand on lui demande comment ça se passe, bien, c'est pas comme on entend dire ici, même si Mme Cazin, elle essaye de nous faire comprendre qu'il faut être aux aguets parce que les rats de marée qui arrivent ailleurs vont arriver sur la Floride, puis tout ça, ben oui. Moi, j'ai pas été bien, bien loin, j'ai été dans la région de Sherbrooke, la semaine dernière avec Geneviève. Et puis, on a vu des gens qui ne portaient pas de masque. Dans les dépanneurs, on ne nous demande pas de porter de masque. On rentre là librement, il n'y a aucun. On dirait deux planètes en l'espace de 50-100 km. Ce n'est plus les mêmes réactions. Ce n'est pas la même, comment est-ce qu'on appellerait ça, là? Pas euphorie, là, mais psychose. Mais qui a raison? Moi, je peux vous dire que je ne sais pas qui a raison encore. Je sais très bien qu'il y en a un des deux qui va avoir raison. Mais quand ça va arriver, ça va frapper et ça va faire mal. Et ça peut être d'un côté, puis ça peut être de l'autre côté. Pour le moment, il y a encore trop de contradictions. Quand les événements vont amener les faits en surface, on ne pourra plus les cacher. Ça ne sera plus « on dit que ». Non, non, j'ai été témoin de, ou on le sait que. Bon, mais là, ça devient ça. C'est pas on s'est fait dire par des journalistes, ou on s'est fait dire par des scientifiques, ou on s'est fait dire par des ci ou par des ça. Dans ce temps-là, là, moi, je bouge pas. Je m'assois sur ma roche, en haut du Mont-Saint-Hilaire, je regarde le monde en bas, puis là, ça crie, puis ça se menace, puis ça te menace. Reste sur ta roche. Bouge pas. C'est sûr que si tu te promènes, tu as des choses à faire que tu n'étais pas obligé de faire il y a 5 ans, puis il y a 2 ans. Mais aujourd'hui, il faut que tu respectes les uns et les autres. Et la meilleure manière de respecter tout le monde, même les contradictions, c'est de rester assis sur sa roche. Puis à ce moment-là, on ne peut pas te reprocher rien. Tu ne fais rien. Tu attends, tu regardes, puis tu te dis, on va laisser passer du temps. On va donner du temps au temps. Parce que dans un cas comme dans l'autre, il y a des événements à venir qui vont être irréversibles. Irréversibles. Et ça sera trop tard de dire,
On n'aurait pas dû. Il aurait fallu qu'on aille faire ça, qu'on ne l'a pas fait à temps. Alors, on voit 2023, tout le monde le sait, pour moi, ça s'en vient vite. Fin février 2023, on va tous être conscients de quelque chose de gros, gros, gros. Et à ce moment-là, alors c'est pour ça que THX 1138, dont je vais parler beaucoup plus en détail dans mon club créé, avec nos abonnés du club créé, que je remercie en passant, ça garde la flamme vraiment active. Et entre nous, il y a des choses qui se montrent, qui se disent. C'est pas YouTube, c'est privé. C'est un réseau privé, comme Jean de Flore qui est en Floride avec son réseau privé. Tous les dimanches matin, après la messe, vous rentrez à la maison, vous allumez votre ordinateur. Et alors, ça s'appelle numéripresse.com. Numéripresse.com. Pas d'accent, pas de trait d'union, pas rien. C'est numéripresse.com. Puis vous allez voir, c'est très intéressant. Moi, j'en apprends toutes les fois. Par contre, lorsque on a fait un échange ensemble, où il m'a posé des questions pour me mettre au pied du mur, j'ai donné beaucoup d'informations, et là, j'ai vu la rancœur, l'étroitesse d'esprit de certaines personnes qui ont écrit à mon sujet sur Numéripresse, qui n'ont jamais été effacés. Les commentaires, j'en respecte la liberté d'expression, j'imagine. Mais à un moment donné, tu te dis, écoute, ça ne tient pas debout, là. Mais ça ne donne pas le goût de continuer à participer à des gens qui sont fanatiques. Même si Jean essaie d'être le plus neutre possible dans nos relations, on essaie d'avoir des bonnes relations ensemble. Mais les gens cherchent le gourou, puis ils vont même créer des situations, des comportements, des réflexions, des commentaires pour diviser des gens qui pourraient travailler ensemble tout en ayant des visions légèrement ou diamétralement opposés, mais qui, entre eux, peuvent jouer le jeu de penser d'une manière puis l'autre pense le contraire et de faire des bons échanges. J'avais Alain Niala, le philosophe, ça fait un an qu'on ne l'a pas vu. Mais il est dans une vision des choses, moi je suis dans une autre vision des choses, mais quand on est ensemble, il y a des gens qui nous écoutent puis là, ils tombent sur le dos de l'un. Bien, l'autre, il n'y a plus le goût de participer en disant, écoute, moi, non, me faire lapider en public parce que j'ai exprimé mon point de vue. Moi, je suis d'accord qu'il exprime son point de vue. On est dans une période, prenons ça comme ça, on est dans une période d'apprentissage. Même les autorités du gouvernement ne sont pas conscients de tout. Puis ils l'apprennent sur le tas. Puis il y en a d'autres qui l'apprennent parce qu'on leur dit, c'est ça. Il faut que tu fasses ça, il faut que tu dises ça, puis prends ce ton de voix-là, puis fais ça comme ça, puis les choses vont suivre leur cours parce qu'on connaît la psychologie transpersonnelle. On est capable d'agir sur la foule selon le bon moment. Il ne faut pas que ce soit trop vite, il ne faut pas que ce soit trop tard. Il ne faut pas que ce soit trop fort, il ne faut pas que ce soit trop faible. Tu arrives juste au bon moment, tout le monde tombe dans le piège, on y va, on fait ça. Jimmy? Ça fait déjà, je pense, 40 minutes qu'on a commencé cette émission. Le temps file, il y a beaucoup de questions. Je vais peut-être essayer de regrouper plusieurs questions. Oui, c'est ça, regroupe par thématique. Là, puis tu vas peut-être se répondre comme tu penses. Vas-y avec les plus directs, les pires. Ben, je te dirais qu'il y a beaucoup de gens qui semblent demander qu'est-ce qui va se passer, que doit-on faire, combien de temps ça va durer tout ça, 10 ans, 50 ans, y a-t-il des solutions? Comment prendre le contrôle d'un égrégore puissant de 10 millions d'adeptes depuis 100 ans quand les dirigeants actuels quitteront, bon, etc. Alors, comment peut-on activer son troisième œil afin de percevoir l'ennemi autour? Quelle est la différence entre ceux qui voient et ceux qui ne voient pas la manipulation actuelle? Peux-tu nous donner un point de vue sur qui seront les élus? Beaucoup de questions en même temps, je sais. On a pas beaucoup de temps. Beaucoup. Ouais. Oui, il y en a, ça, c'est juste un petit extrait. Ben, ça me réconforte parce que je vois que les gens veulent entendre des choses dont je vais parler dans l'année 2022, dans, j'appelle le Club Créé, mais c'est dans mes cours de Jedi. Et c'est vraiment étrange que je parle de THX 1138 avec George Lucas, qui est le créateur de Star Wars. Et qu'est-ce que vous voyez là? Bien, vous voyez une scène
où Qigong Zhen est en train de prendre une prise de sang. Il fait une prise de sang de Anakin Skywalker, celui qui est devenu Darth Vader plus tard. Et on voit bien ici Wilhelm Reich. Vous savez qui est Wilhelm Reich? Wilhelm Reich est celui qui a travaillé, encore une fois, sur le sang et découvert ce que lui a appelé les chloridiniens. Et dans Star Wars, on les appelle les midi-chloriens. Des petites particules qui circulent dans le sang de l'être humain, qui a quelque chose d'unique, de caractéristique, qui est le plan, on pourrait dire le plus subtil, qui entre en vibration, en syntonisation avec le monde de l'esprit. Et on sait bien que si le monde de l'esprit existe réellement, il existe une contrepartie dans le monde de la matière. Quand on utilise un radiocristal au début, est-ce qu'on pouvait savoir qu'en mettant une aiguille sur une roche, un cristal de quartz, un cristal de plomb, on mettait l'aiguille et elle vibre selon l'endroit où tu le mets sur la roche, pour que la vibration corresponde à un champ vibratoire des ondes hertziennes émises par des stations de radio. Moi, je me souviens que quand j'étais jeune, juste pour le plaisir de la chose, j'avais un radiocristal tout petit et j'écoutais les parties de hockey du Canadien alors que j'étais censé être couché à 8h30, 9h, et la partie finissait à 10h15. Ben, je l'écoutais avec mon radiocristal. Aucune pile, aucune batterie, rien, parce que les ondes hertziennes passent à travers la roche, passent à travers les murs en général, et elles touchent des cristaux qui, eux, se mettent à vibrer sur la longueur de l'onde hertzienne. Ta petite aiguille avec un fil, pas d'amplificateur, rien. Des écouteurs qu'on appelle des écouteurs à cristal, et à ce moment-là, tu entends la voix. C'est un peu comme quand tu prends une boîte de conserve, tu mets un fil, une corde dans le fond de la boîte de conserve, puis le fil, il faut qu'il soit très tendu, parce que l'autre qui est à l'autre bout avec sa boîte de conserve, il se la met sur l'oreille. Celui qui parle ici, parce que la corde est très tendue, en parlant, le fond de la cacane vibre, et les vibrations s'en vont sur la corde. Il n'y a rien d'électrique là-dedans. Et ça fait vibrer l'autre cacane à l'autre bout, et tu entends très bien la voix de l'autre dans ta boîte de conserve. Ah, alors oui, là Geneviève me demande de parler des biophotons, parce que là, si on voit les biophotons, curieusement, sont en forme hexagonale. Et c'est extrêmement petit. Un au Québec, un grand savant qui a évolué dans ce domaine-là, c'était le docteur Nassens. Et le docteur Nassens avait son propre microscope qui lui permettait d'aller voir ce que lui appelait les somatides, le somatoscope au lieu de microscope. Et là, pour les ingénieurs, vous comprenez de quelle façon ils procédaient, par interférence lumineuse, avec l'ultraviolet, la lumière ordinaire. C'est lui, ça. Puis, gars, c'est son microscope, c'est pas rien, ça. Moi, j'y ai été. Puis, on voit très bien. Lui, il prend pas du sang qui est extrait avec une seringue, puis qu'il met dans une plaquette, parce que ça sèche, c'est pas long, puis la vie se retire. Lui, grâce à la manière dont il procède, ça se garde suffisamment instantanément pour voir immédiatement comment les choses se développent et les somatides, lui, il les appelle comme ça, des somatides, l'autre les appelle les chloridiniens, l'autre les appelle les midi-chloriens. Tout le monde sait qu'il y a quelque chose dans le sang qui est particulier. Il y a 2 semaines, il y a une dame qui m'a demandé d'arriver avec un exposé sur... Le facteur rhésus. Tiens, Geneviève, on en a. Ben oui, mais. Oui, tu as le tableau du facteur rhésus. Ben. OK, bon, ben regarde bien là, ce que tu me montres. Je vais essayer de le retrouver. Ah, tiens, tu y arrives là. Alors, avec le facteur rhésus, allez voir le complément surprenant de Gilles Surprenant. Les explications sont données, détaillées. Gilles fait des recherches partout sur Internet. Va chercher les documents les plus pertinents, de pointe, puis nous les met. Les liens, ou des fois des extraits, des images, des textes, et c'est à vous de faire la suite.
C'est pas seulement l'émission qu'on fait en direct, c'est rien. C'est seulement la broue qui est sur le dessus, là. Allez voir, l'essentiel est dans ce qui est en dessous, là. Tout se passe là. Alors, oui, on va reparler de ces sujets que tu as soulevés, Jimmy. Regarde, l'émission n'est pas en train de tirer à sa fin, mais on a les deux tiers de fait déjà. Et c'est Aux mettre en état, enseignements. c'est de mettre un état d'esprit d'abord. Les gens qui s'inscrivent dans le club créé, attendez-vous à quelque chose de solide qui s'en vient. Ça va être agréable, ça va être désagréable. Je ne m'occupe pas de cet aspect-là. Ça va être présenté pour que ce soit utile. Et que ce soit utile quand on regarde dans le futur. Il ne faut pas penser qu'on est prisonnier du futur. Mais quand on sait que il y a des gens qui ont du vécu beaucoup plus que nous, on peut l'avoir, et là j'entends des centaines, des milliers d'années, qui viennent nous dire l'hiver approche, winter is coming. Et quand l'hiver approche, ça veut dire fais des réserves, habille-toi chaudement, aie des moyens de te garder au chaud. Et ça, c'est fondamental. Tu auras beau avoir des prières, tu auras beau faire toutes sortes de choses, ce parage, faire des manifestations dans les rues, ça ne changera rien. Si tu es assez conscient, tu t'arranges. Il y en a qui profitent de l'hiver pour, oui, faire du ski doux, faire du ski. Faire... Puis il y en a d'autres qui vont faire comme il y a eu le verglas. Puis à un moment donné, il y a des gens qui vendaient des génératrices 3 fois le prix qu'ils auraient dû se vendre. Mais comme il y avait beaucoup de demandes, ben, ils montaient les prix, montaient les prix, montaient les prix. Par contre, il y en a d'autres qui sont arrivés du lac Saint-Jean avec des camions de bois pour fournir du bois de chauffage aux gens de Mont-Saint-Hilaire. C'était incroyable. On avait du bois, on en avait dans mon escalier, j'en avais plein. Et ça nous a permis de vivre 21 jours, pas d'électricité. Et le bois était donné. Alors, on n'a pas abusé de ça non plus. D'autres questions, Jimmy? Très brièvement, tu as fait allusion aux cours Jedi. Je sais qu'il y a une bonne partie des cours Jedi qui sont disponibles gratuitement sur ton site web, n'est-ce pas? C'est des transcriptions de cours que tu avais donnés déjà il y a près de 10 ans. Oui. Alors, c'est disponible, vous pouvez aller voir facilement. Également, quelqu'un demande comment s'abonner au Club Créé, quelles sont les modalités de paiement. Je pense qu'il faudra aller voir simplement sur le site web ésotérismeexpérimental.com, j'ai l'impression. Oui, c'est d'abord c'est Bien. simple, orandia.ca. Voilà. Orandia, ORANDIA.ca. Et là, en arrivant là, vous avez accès à des salles gratuites, vous avez accès à voir le contenu, puis vous voyez comment. C'est par PayPal en général, ou ça peut être par un chèque, un mandat postal. Mais c'est pas l'important, c'est d'être préparé. Comment est-ce que je peux dire? C'est pas comme d'aller en vacances sur une plage, te faire bronzer au soleil, tu te fermes les yeux, puis tu penses à rien, puis tu reviens, t'es renforcé. Tu t'es détendu suffisamment, tu reprends le travail à plein régime, puis t'es bon. Ça, c'est une méthode. Là, dans le cas actuel, c'est une guerre. C'est pas pour rien qu'ils l'appellent Star Wars, parce que c'est une guerre des étoiles. Et il y en a qui voient des étoiles, hein, quand ils reçoivent un coup sur la tête. Ben, il y a aussi ceux qui sont capables d'être une étoile. Et une des remarques importantes dans le film THX 1138, George Lucas, je vous le disais, il a eu de la misère avec son film parce que les Warner Brothers, les Warner Brothers ont décidé que c'était pour être un flop, même s'ils ont essayé de le sauver un peu pour au moins récupérer l'argent qu'il avait mis dedans. Mais quand George Lucas a décidé, lui, de reprendre les droits du film et de le remonter à sa façon en rajoutant des éléments, dont une introduction particulièrement intéressante où il fait appel à Buck Rogers, un vieux film des années 20-30. Alors, Buck Rogers, et ça, c'est très caractéristique de la démarche de George Lucas. Écoutez bien ça va vous toucher. Ça m'a touché quand je l'ai reçu. Hey, je ne m'attendais pas à ça. Buck Rogers, c'est un homme comme tout le monde qui a développé des compétences avec des expériences auxquelles il a été soumis, puis des épreuves, puis il a réussi à contourner et il s'est associé de la technologie pour pouvoir,
passer à travers certaines épreuves. Et, contraire de ceux qui attendent un Messie qui va arriver sur une nuée, les petites pattes croisées sur un nuage, les héros de la guerre des étoiles, c'est des humains, comme tout le monde. Il se fait couper un bras, il manque une main à Luke Skywalker. Ben oui, et puis il s'est fait couper un bras par son propre père. Alors c'est du monde ordinaire qui ont développé à l'intérieur d'eux des capacités extraordinaires, mais qui ne sont pas surhumaines. Ce n'est pas comme on vient de voir à la télévision samedi soir, le 18, là. C'était Spider-Man. Ben oui. Tu penses, toi, que tu vas te promener comme les super-héros, ouais, les Américains. C'est pas ça qui est l'avenir. L'avenir, c'est des êtres humains qui savent comment gérer l'adversité, comment profiter des développements scientifiques et surtout garder l'équilibre entre la volonté. Trop de volonté, c'est une tête de cochon que tu fais, tu défonces les murs, tu défonces les portes ouvertes. Volonté, intelligence, VIA, intelligence, trop d'intelligence, tu es tellement trop intelligent qu'à un moment donné, tu ne te rends pas compte que il n'y a plus personne qui va te comprendre. Parce que tu es rendu loin. Un mathématicien de mathématiques avancées, comme un violoniste, comme un pianiste, qui est devenu un virtuose, il n'a même pas intérêt à aller écouter, à moins d'être professeur, mais il faut avoir une patience, une tolérance incroyable. Mais quand tu es virtuose, tu es rendu à un autre niveau. Bien, c'est ça qui arrive, c'est qu'on a une société où il y a une élite, ou en tout cas, il y en a qui se croient être dans une élite de gens capables, intelligents et supérieurs. Et au lieu de faire du beau spectacle qui fait du bien à tout le monde, ils veulent prendre le dessus et écraser ceux qui ne sont pas devenus des virtuoses. Bon, alors, au lieu de ça, on devrait s'occuper des vertuoses. C'est ça la différence. D'autres questions? Là, je parle oui, beaucoup, mais... Il y en a beaucoup, donc je vais suivre simplement la liste parce que quelqu'un demande une question sur Nibiru, la planète X. Est-ce que cela a un lien avec les années à venir? Et quelqu'un a demandé, est-ce que c'est normal que le soleil se lève de plus en plus tard? Donc, on fait peut-être allusion à des changements qui se produiraient. Oui. Dans ce qu'il y a dans l'avenir de plus pressant à comprendre, c'est la Terre creuse, l'intérieur de la Terre, les choses qui vont être dénaturées. On veut détruire la planète Terre, on veut détruire la vie sur la Terre, on veut détruire, quand je dis on veut détruire les abeilles. Hein, c'est un grand signe, Albert Einstein l'avait déjà dit. Hein, quand les abeilles disparaîtront de la Terre, donnez pas 5 ans que les humains seront disparus de la Terre. Les grenouilles avant ça, les batraciens. Après ça, les oiseaux. Chez nous, on a des écureuils, on a toujours eu des écureuils. On nourrissait les écureuils, ils venaient manger des mangeoires d'oiseaux ici. On a des mangeoires qui empêchent les écureuils parce qu'ils sont pesants, puis ça va descendre, puis ils ne peuvent plus rien manger. Mais ils sont de plus en plus petits. Les oiseaux qui viennent manger dans les mangeoires sont de plus en plus petits. Le format a rapetissé. Ils sont moins nombreux, mais vraiment beaucoup moins nombreux. J'en parle à des ornithologues, des spécialistes du Mont-Saint-Hilaire, ornithologues, ils disent « oui, en effet, là, il y a quelque chose qui se passe ». Bien, tout le monde met ça sur le réchauffement planétaire. Ben, c'est facile de trouver quelque chose pour dire « c'est ça ». Puis après ça, on dit « c'est à cause des humains », puis etc. On s'aperçoit qu'il y a d'autres planètes qui ont le réchauffement aussi, comme Saturne et Mars. On se dit « comment ça, là, c'est pas le CO2, c'est pas les véhicules automobiles qui circulent autour ». Il y a des cycles. Winter is coming. C'est un cycle qui veut être naturel, mais comme on comprend qu'il y en a qui profitent de ces douleurs, de ces adversités, de ces problèmes-là, pour profiter de l'occasion. Pour combien de temps? Hey, la plupart de ceux dont on parle beaucoup sur Internet, là, ils vont être morts dans 20 ans. C'est tous des gens qui sont au-delà de 65 ans. 70 ans. Tu sais, Klaus Schwab, il en a encore pour 20 ans, lui-là.
Ah, vous allez me dire peut-être qu'ils vont arriver à prolonger la vie. Ben oui. Et si c'était le cas, qu'ils pourraient prolonger la vie biologique, mais ils ne peuvent jamais te descendre plus jeune que le moment où tu subis ou tu profites de ces traitements-là. C'est des traitements que si tu as 45 ans, tu commences à avoir les traitements, tu vieilliras pas plus loin que 45 ans, mais tu peux pas redescendre à 18 ans. Puis, si tu es rendu à 65 ans, ben, tu vas vivre un gars ou une femme de 65 ans avec une bonne santé. Ton visage va peut-être s'améliorer, il y aura moins de rides, mais tu auras une usure de 65 ans permanente. Mais ils peuvent te maintenir là. Alors, combien de temps tu peux vivre 65 ans pendant que tu es à 65 ans? C'est pas encore. Et est-ce que tu gardes toute ta tête? Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes qui peuvent arriver? On sait qu'ils veulent régler aussi les problèmes d'Alzheimer et tout ça. Et s'ils font à tout le monde, déjà qu'on est 7, 8 milliards d'êtres humains, puis que tout le monde réclame en disant c'est pas juste, on veut être capable, nous autres aussi, de vivre vieux, de vivre longtemps. Pas vieux parce qu'ils vieilliraient plus, mais de vivre longtemps. Tu sais, l'île d'Epstein, là, ou Epstein, là. C'était évidemment utilisé pour des fins très, très négatives, mais il y avait autre chose. Pensez pas que Stephen Hawking allait là-bas, sur les îles d'Epstein, Epstein, oui, c'est vrai, Einstein. Dans d'autres cas, c'est Epstein. Quand ils sont bons, ils sont Stein, puis quand ils sont méchants, ils sont Steen. Parce que ça s'écrit pareil. Mais il y avait accès à des traitements particulièrement intéressants. Oui, je sais, vous allez me dire, comment ça s'appelle déjà, là, l'adrénochrome. Ouais, ça a sorti, hein? Parce qu'il y a des gens qui font de la recherche dans différents domaines. Et là, on commence à comprendre qu'il y a des affaires qui regardent mal. Ça sent mauvais. Ça pue enveloppant. Alors, comme Bernard de Montréal nous disait à CKVL, puis qu'on a fait clairement entendre dans une émission il y a quelque temps à peine, dans l'émission La moisson de la terre est-elle prête? Dans cette émission-là, numéro 38, elle était claire. Bernard le répétait, 48, pas 38, c'est vrai, c'est THX 1138, mais nous autres, c'est Vidéorandia, VOR 48. C'est une guerre à finir et c'est maintenant que ça se passe. Et on a endormi beaucoup de monde avec, d'une façon ou d'une autre. Je vous le dis, les deux n'ont pas fait leur preuve. À mon goût, à moi, là, ils n'ont pas fait leur preuve, les deux, d'un côté ou de l'autre. Parce que s'il y a un, c'est très efficace instantanément pour le moment, puis d'un coup, après 2 mois, 3 mois, 2 ans, on s'aperçoit que ce n'est pas si efficace. Puis de l'autre côté, attention, il y en a qui meurent, puis il y en a qui meurent de plus en plus. Fait que là, wow, minute, là, tu penses à l'abri. Tu sais, la ceinture de sauvetage, ce n'est pas pour toi, là, le bateau coule, là. Oh, je ne prendrai pas la ceinture de sauvetage, ça va m'alourdir, puis j'en veux pas. Ben oui, mais c'est ça qui va te protéger. Puis les autres qui disent, non, 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 on ne leur donne plus de ceinture de sauvetage, on va leur envoyer des chaloupes, puis ils embarqueront dans les chaloupes. Puis là, on leur dit embarquer dans un chaloupe. Ben oui. Puis entre les deux, il n'y a pas quelque chose là, qui manque. Entre les deux, là, un moyen de se protéger, de se prémunir, pas d'attendre la chaloupe nécessairement. On a toujours connu ça jusqu'à maintenant, qu'il y avait toujours des petites potions qui permettaient d'amoindrir le choc et puis et de ne pas jouer dans notre sang. Avec les midi-chloriens, tout le reste, on comprend, hein? Avec Star Wars. George Lucas savait des choses. Il a fait toute sa série de sa saga, 3 épisodes. Ensuite, il a fait les 3 premiers épisodes. Puis il a eu le temps de terminer ses 3 derniers épisodes, qui fait les 9 épisodes de La Guerre des Étoiles. Le dernier épisode a été donné en décembre 2019. Puis après, pandémie. Éclate. Et voulait, lui, mettre l'accent dans une série qui aurait suivi, puis même dans les épisodes qu'il a fait, beaucoup, beaucoup sur les pouvoirs psioniques des Jedi,
comment les développer, etc. Les questions que les gens me demandaient tantôt. Les fameux midi-chloriens. C'est clair que pour lui, aller voir dans le complément de Gilles Surprenant, il y a des détails qui sont donnés là, qui sont précieux. Puis quand on va faire le club créé sur ces sujets-là, ça va être en privé. Ça va être en notre gang. Vous aurez un mot de passe, vous entrez, vous allez là, puis vous allez pouvoir poser des questions comme vous faites présentement. Je fais partie d'un organisme qui s'occupe de construire des maisons, rénover des maisons, parce que là, les construire, il manque de matériaux, les matériaux montent en flèche, et les taux d'intérêt vont monter très rapidement bientôt. Alors, il est plus temps de rénover sa maison, si tu en as une, que d'essayer d'en bâtir une neuve, là. Mais ce groupe ERA est capable de faire des réunions privées. Oui, c'est Solution ERA. Alors, c'est Solution ERA. Ils font exprès de rajouter Solution ERA. C'est très important. Ben voilà, ça fait beaucoup de choses. J'aimerais beaucoup que Gilles Surprenant, puis que vous le preniez en note. Hein, Si pour Richard? la semaine de Noël, vous trouvez que notre émission n'est pas trop agréable à entendre parler, parler, Richard, parler. je voulais, Allez. Richard. Fait que je voulais juste dire c'était quoi les lettres, parce que tu me laisses jamais les dire. Fait que ERA dans Solutionnera, ça voulait dire éthique, résilience puis abondance. C'est ça. OK, tu peux continuer. Merci. Bon, voilà. Alors, il semblerait que Geneviève va passer le message. Et moi, de mon côté, je disais à Gilles, mets le lien avec la vidéo numéro 51, pas celle de cette année 2021, mais de 2019, justement. On était avec Alain Niala, Claire Garand et son compagnon Claude. On était tous réunis pour fêter Noël avec Gilles Surprenant, qui était avec nous. Et c'est une ambiance de Noël, là, vraiment bien. Elle joue de la guitare, elle chante merveilleusement bien. Et on a discuté autour d'une bonne table, une table de Noël. Et c'est toujours disponible sur YouTube. Oui, le Vidéorandia numéro 51 de 2019. C'est dans l'esprit du bon vieux temps des fêtes de Noël. Eh oui, et c'est ésotérique parce qu'on était quand même des gens de réflexion dans le domaine. Alors, Jimmy, on achève déjà parce que je veux faire entendre et voir une introduction à notre émission de Noël. La semaine prochaine, on va être le 25 décembre. On va être dans l'église de Saint-Hilaire. Est-ce que tu as un mot de la fin? Oui, Richard, simplement dire, c'est sûr qu'on n'a pas eu le temps de répondre à toutes les questions. Il y en a encore beaucoup. Ce que je vais faire, c'est que je vais t'envoyer un fichier avec toutes les questions posées. Peut-être qu'éventuellement, il y aura peut-être d'autres opportunités où tu pourras y répondre. Oui, effectivement. Mais comme on dit, il y avait beaucoup de grandes questions fondamentales et existentielles qui ne se répondent pas à plusieurs. On en prend une ou deux, puis on fait une heure. Alors, tu sais, c'est pour ça que je me donne 2022, avec les clubs créés, avec les vidéos rendues, on aura le temps d'élaborer plein, plein de choses pour que des gens soient de plus en plus, je disais le terme, puis j'aime pas le terme brancher. Tu branches un robot, tu branches un ordinateur, tu branches une mécanique ou électrique. Mais c'est d'être plus intuitif, d'entendre parler midi-chloriens que tu as dans ton sang. La capacité d'être en relation avec la force qui est au-delà de la volonté, de l'amour et de l'intelligence. Les trois ensemble, c'est ça qui fait la force. Alors, on va se quitter là-dessus, Jimmy. Geneviève va nous amener dans l'église de Mont-Saint-Hilaire. Alors, la semaine prochaine, on va faire le tour un peu plus détaillé. Aujourd'hui, c'est juste un avant-goût de cette belle église à Mont-Saint-Hilaire. Vous allez apprendre en quelle année elle a été construite. Ça laisse personne indifférent, l'année de la construction de cette église-là. Alors, c'est vraiment spécial. Alors, Jimmy, oui, un mot de la fin. Geneviève te met. Simplement, merci à tout le monde, merci d'avoir été là. Et je pense que la semaine prochaine, il va y avoir une émission, même si c'est le 25 décembre, n'est-ce pas? Oui, mais elle va être préenregistrée intégralement D'accord. avec montage parce que nous, de notre côté, on va être probablement à fêter un peu Noël. Comme disait quelqu'un au début de l'émission, est-ce que c'est le dernier Noël? Ben.
Des Noëls comme dans le temps, comme on disait, des Noëls d'antan, là. Il n'y en aura pas beaucoup. Alors, on va en profiter. Selon les circonstances, on verra qu'est-ce qui va se passer d'ici ce temps-là. Sinon, on sera là. Merci, Jimmy. Chose promise, chose due. Alors, je vous avais promis une visite de l'église de Mont-Saint-Hilaire pour l'époque de Noël 2021. On a eu la chance de rencontrer le sacristain. Et puis, grâce à lui, on a eu cette opportunité de vous montrer cette belle église. J'étais assis ici, à l'orgue de l'église de Mont-Saint-Hilaire, où ma mère a joué à plusieurs reprises au début des années 80, lorsqu'elle a déménagé ici à Saint-Hilaire. Alors, voici cette belle église, toute décorée par le peintre très célèbre, parce qu'il est un des signataires du refus global. Je nomme M. Ozias Leduc. À l'époque de Noël, c'est le moment tout à fait désigné en circonstances, d'autant plus que on est limité dans la quantité de gens autorisés à entrer dans des églises, des lieux saints, parce que ce sont des lieux publics, même pour la messe de minuit. Alors, je vous souhaite un très joyeux Noël et gardez l'esprit de Noël d'antan. Ça, c'est la clé de l'église. Oui, comme ça, on la voit bien. Ah, ça, c'est la clé de l'église ici. Ouais. C'est bon. Quelle année l'église ici? 1837. Hey, l'année des patriotes! Et oui, nous étions dans la semaine de Noël. Samedi, le 18 décembre 2021, pour le Vidéo Randia numéro 51, pour la 51e semaine de l'année 2021, directement de Mont-Saint-Hilaire, et avec Jimmy. Oui, la crèche, elle est bien là, dans l'église. Et pour respecter la tradition, l'enfant Jésus n'est toujours pas né encore. On attendra au 25 décembre dans la nuit, à minuit précisément. Ne manquez pas de lire le complément surprenant de Gilles Surprenant, premier commentaire épinglé en haut de tous, qui vous donne le lien direct au complément surprenant chaque semaine. Vous pouvez écrire d'ailleurs des commentaires à Gilles Surprenant ou des idées que vous auriez pour l'inspirer. On voit ici la lampe du sanctuaire. Elle est allumée. Et lorsque la lampe du sanctuaire est allumée dans une église, c'est qu'il y a la présence par l'hostie consacrée dans le tabernacle. Alors, à Mont-Saint-Hilaire, la lampe du sanctuaire était bien allumée. Il y a l'église de Pierre et il y a l'église de Jean, Jean de l'Apocalypse. Il y a ces êtres qui nous observent depuis la nuit des temps. On revient par incarnation successive vivre des expériences sur Terre. Merci d'être abonné au Club Créé et joyeux Noël de ma part à moi, de la part de Geneviève, de Gilles Surprenant, de Louis et de tous les autres, et de Jimmy, sûrement, qui collabore à notre émission. Souvent, on ne les voit pas. Et le message essentiel, eh bien, oui, paix sur la terre et dans le cœur des hommes. Bonne semaine.